Commençons par rappeler quelques règles d'inférence de la logique classique. La première règle d'inférence, sans doute la plus connue, c'est le modus ponens qui dit que si une proposition A est vraie et si A implique B, alors, sous ces prémices, B est aussi vrai. C'est le modus ponens que je note MP. Si tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Une autre règle d'inférence classique est le modus tollens, qui affirme que si A implique B et que B est faux, alors A est aussi faux. Et ça, c'est le modus tollens que je note MT. Avec ces deux syllogismes, il y en a un autre qu'on appelle syllogisme disjonctif et que je note SD, syllogisme disjonctif, qui dit simplement que si A ou B est vrai et que A est faux, alors forcément B est vrai. Sous ces deux prémices, on a la conséquence que B est vrai. Il y a une autre règle d'inférence qu'on appelle conjonction qui dit que si A est vrai et que B est vrai, alors la conjonction de A et B est vrai. N'est-ce pas? Je vais l'appeler conjonction. Appelons simplification la règle suivante. Si A et B est vrai, il s'ensuit que A est vrai et B est vrai. De l'énoncé A et B est vrai, on tire que les énoncés A et B sont vrais. Il y a aussi la règle d'union qui dit que si A est vrai, il suit immédiatement que A ou B est vrai, quel que soit l'énoncé B. Pourvu que A soit vrai, A ou B est forcément vrai. Je vais appeler cette règle union. Il faut aussi rappeler certaines équivalences classiques. Par exemple, on sait qu'un énoncé A implique B est équivalent à non A ou B. On peut le voir par leur table de vérité. L'énoncé A est équivalent à la double négation non non A. Ça, c'est la double négation que je note DN. Et puis ça, c'est l'implication. Et on connaît les équivalences de De Morgan. Non A ou B est équivalent à non A et non B. Première règle de De Morgan et la deuxième règle nous dit que non A et B est équivalent à non A ou non B. Je vais noter DM pour De Morgan. Je ne vais pas rappeler les règles d'associativité, de commutativité, de distributivité, des opérations intersection-union par rapport à l'une ou l'autre. C'est des choses qui sont connues. De même pour la commutativité, A inter B égale à B inter A, A union B égale à B union A. Par contre, la contraposition est intéressante. La contraposée de l'énoncé A implique B, c'est non B implique non A. N'est-ce pas? Donc ça, c'est... Je vais noter pour contraposer. A et B implique C est équivalent A implique entre parenthèses B implique C. Et ceci se voit aussi par leur table de vérité. Et c'est la règle d'exportation qu'on va noter simplement EXP. Alors voici un raisonnement qu'il faut valider. Ce raisonnement comporte deux prémices. A et B implique C. A est non C et D. De ces prémices, on veut tirer la conclusion que non B et D. On peut aussi l'écrire comme suit. Les antécédents constituent un système de formules. Donc on a A et B implique C et on a A et non C et D. Et il faut tirer la conclusion que non B et D est vrai. Autrement dit, non B et D est un théorème du système de formules. A et B implique C, A et non C et D. Alors, comment démontrer ce résultat? Numérotons les étapes de la démonstration, de chaque ligne de la démonstration. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Donc, je vais mettre une barre pour séparer les prémices du code de la démonstration. La première prémisse nous dit que A et B impliquent C. Et la seconde nous dit que A est
non c'est aidé. Alors, ça c'est une hypothèse ou une prémisse. Puis une autre hypothèse ou une autre prémisse. On veut à partir de ces hypothèses établir ce résultat, ce théorème qui dit que non B et D est vrai. Et c'est ici qu'il faut employer les règles d'inférence que nous avons rappelées. De la deuxième hypothèse, on peut par une règle d'inférence tirer que A est vrai, n'est-ce pas? C'est la règle dite de simplification qui dit que si A et B est vrai, forcément l'énoncé A est vrai et l'énoncé B est aussi vrai. Les propositions A et B sont toutes de vrai. Donc, on va tirer que A est vrai et cela se justifie en invoquant la règle d'inférence dite de simplification à la ligne 2. On a simplifié la ligne 2 et par la même règle, on a aussi non C et D. Justification, c'est la simplification de la ligne 2. Alors, on peut aussi simplifier la ligne 4. On a non C et D. Donc, non C est vrai et D est aussi vrai. À la ligne 5, on a non C et à la ligne 6, on a D. On a simplifié la ligne 4. Alors, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on cherche à établir, n'est-ce pas? On veut démontrer que non B est D. On a D à la ligne 6 et il nous faut non B. On peut trouver une forme équivalente à la première hypothèse, si vous vous souvenez, la règle d'exportation qui dit que A et B implique C est équivalent à A implique entre parenthèses B implique C. Donc, écrit A implique entre parenthèses B implique C et la justification de la ligne 7, c'est l'exportation de la ligne 1. Et c'est très intéressant parce qu'à la ligne 3, on a A. On sait que la proposition A est vraie, ce qui va nous permettre de conclure à partir du modus ponens, c'est pas qui dit que si A est vrai, que A implique B, alors B est vrai. À la ligne 8, on conclut que B implique C. En invoquant le modus ponens aux lignes 3 et 7, n'est-ce pas? Donc, avec la ligne 3 et la ligne 7, le modus ponens nous permet de conclure que B implique C est vrai. La ligne 8 est une implication. B est l'antécédent et C est la conclusion ou le conséquent. Mais regardez, à la ligne 5, la conclusion est fausse puisqu'on a non C. Et vous avez le modus ponens, cette règle d'inférence, qui dit que si vous avez une implication et que la conclusion est fausse, l'antécédent est aussi faux ou l'hypothèse est aussi fausse. Alors, on peut donc invoquer le modus ponens ici. Vu que non C est vrai, puis on peut conclure que B est faux ou que non B est vrai en invoquant le modus ponens aux lignes 5 et 8. Mais regardez, on veut démontrer que non B et D est vrai. On a montré que D est vrai. On a montré que B est faux ou non B est vrai. On peut donc, avec les lignes 6 et 9, conclure que non B et D est vrai en invoquant la conjonction. N'est-ce pas? Si vous avez A et que vous avez B, vous avez forcément A et B. Si les propositions A et B sont vraies, la conjonction de ces propositions ou de ces énoncés est aussi vraie. Donc, à la ligne 10, on conclut que non B est D. Et la justification, c'est la conjonction des lignes 6 et 9. Et ceci termine la démonstration. Et on a bien montré que non B et D est un théorème de ce système axiomatique, enfin de ce système de formules. Donc, si non A ou B implique non entre parenthèses C ou D, et que C ou entre parenthèses non A et D, si ces deux prémices sont vraies, peut-on dire que C est vrai? Remarquez que dans le premier exemple, on a atteint la conclusion à la dixième ligne, donc on n'avait pas besoin de la onzième ligne. Quand je numérote les lignes, je ne sais pas à l'avance combien de lignes il faudra pour terminer la démonstration. La première hypothèse, non A ou B implique non entre parenthèses C ou D, et la deuxième, C ou entre parenthèses non A et D. Alors, je disais dans les rappels, mais je crois pas, j'ai pas écrit.
qu'il faut se souvenir des règles de distributivité de l'intersection et de l'union. Je peux l'écrire si vous voulez. Pour l'intersection, si vous avez A inter B union C, alors c'est A inter B union A inter C. N'est-ce pas? Par contre, si vous avez A union B inter C, bien, c'est A union B inter A union C. Et appelons ceci distributivité. On peut distribuer la deuxième hypothèse en écrivant C ou non A inter C ou D. Et on justifie en invoquant la distributivité à la ligne 2. Et on peut simplifier la ligne 3 par la règle d'inférence dite de simplification. N'est-ce pas? On a une conjonction, donc les composantes de la conjonction sont vraies. À la ligne 4, on a C ou non A. Et à la ligne 5, on a C ou D. On a simplifié la ligne 3. Dans la première hypothèse, vous avez non C ou D. Autrement dit, la conclusion C ou D est fausse dans la première hypothèse. Or, à la ligne 5, nous avons C ou D. On va donc faire apparaître la négation de C ou D en écrivant une double négation de la ligne 5. N'est-ce pas? Donc, non, C ou D à cause de la règle de la double négation qui dit que une proposition est équivalente à sa double négation. En logique classique, bien sûr. Donc, on justifie la ligne 6 en écrivant double négation de la ligne 5. Or, la première hypothèse est une implication dont la conclusion est non C ou D. À la ligne 6, on a non C ou D. Il faut donc, avec le modus tonens, conclure que l'hypothèse ou l'antécédent n'est pas vrai. Or, l'antécédent ici, c'est non A ou B. À la ligne 7, on a non entre parenthèses, non A ou B. Autrement dit, non A ou B est faux. Et cela se justifie par le modus tonens appliqué aux lignes 1 et 6, n'est-ce pas? Donc, pour la première et la sixième ligne. On combine les lignes 1 et 6 par le modus tonens pour avoir la ligne 7. Alors, la ligne 7 est la négation de quelque chose union quelque chose. Vous vous souvenez des règles de De Morgan? Non A ou B est équivalent à non A et non B. Et non A et B est équivalent à non A ou non B. Donc, appliquant De Morgan à la ligne 7, on aura non A et non B. Donc, De Morgan à la ligne 7. La ligne 8 est une conjonction. On peut la simplifier en appliquant la règle de simplification. Et donc, à la ligne 9, on aura non A. À la ligne 10, on aura non B. En simplifiant la ligne 8. Alors, regardez la conclusion. On veut montrer que C est vrai. Mais regardez, à la ligne 4, on a établi que C ou non A est vrai. Et à la ligne 9, on a établi que non A est faux. N'est-ce pas? Non A est faux. Ben, si non A est faux et que C ou non A est vrai, forcément C est vrai. Donc, on peut à la ligne 11 conclure en invoquant le syllogisme disjonctif. N'est-ce pas? Si A ou B est vrai et que A est faux, eh bien forcément B est vrai. Donc, on va conclure que C est vrai à la ligne 11. Justification, on invoque le syllogisme disjonctif pour les lignes 4 et 9. Et cela termine la démonstration. On a montré que sous ces deux prémices, il suit immédiatement que C est vrai.